La galerie des métiers de l'avenue Garibaldi à Limoges se transforme en boutique de Noël. 76 artisans y présentent leurs créations. Donc vous êtes dans la chambre de métier, oui. Et en fait on fait une boutique sur la période de Noël. Oui. Vous avez 75 artisans qui sont représentés, métier de bouche ou métier de création. Si vous avez besoin de renseignements, vous n'hésitez pas. Si vous avez vu des produits peut-être ailleurs sur internet que nous n'avons pas ici, vous nous demandez, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Et vous avez des artisans un petit peu partout qui risquent de vous proposer leur aide. Alors le principe, c'est un dépôt-vente en fait. Nos artisans ici mettent en vente des produits qui sont adaptés aux clients pour pouvoir faire un petit cadeau à la famille en fait. Un cadeau local, artisanal, pour la famille. Chocolat, biscuits, pâtés et autres spiritueux, ils côtoient des articles en cuir, bois ou même porcelaine. Du Made in 87, haut de gamme et autant d'idées cadeaux pour les fêtes. Consommer local, une tendance ancrée dans l'air du temps depuis la crise du Covid. Alors, nous ici, on a toujours du public averti, hein, qui aime l'artisanat, qui aime le local. Mais alors cette année, c'est immense, c'est gigantesque. On a plein de nouveaux clients. Effectivement, les réseaux sociaux sont vraiment à fond là-dessus et recherchent et proposent ces produits artisanaux. Et donc, on a énormément de nouveaux clients qui arrivent. Alors là, je vous présente une constellation brodée au fil phosphorescent sur du tissu en coton bleu, sur un tambour de broderie en bois. Donc ce genre de décoration est destiné à décorer l'intérieur de vos maisons, une chambre d'enfant, etc. Le fait d'exposer dans un magasin comme la Galerie des Métiers est une super opportunité, surtout en ce moment, c'est très compliqué. J'ai un site web, j'ai une boutique en ligne, mais c'est vrai que c'est quand même un plus, c'est un complément indéniable, enfin c'est vraiment une super opportunité à ne pas rater. Alors en fin de compte, voilà, à l'intérieur, il y a plein de surprises, une petite pochette ici. Alors moi je suis maroquinière, artisanale en Bazac. Voilà, donc je travaille le cuir, de la peau à l'article. C'est pouvoir être visible donc sur Limoges. Et puis aussi c'est une sacrée aventure parce que bon, on fait connaissance aussi avec d'autres artisans, donc du coup, c'est une super expérience. Cette année, cette galerie s'est enrichie d'un site de vente en ligne. Galeriedesmétiers.fr propose, comme son homonyme, des créations des artisans d'art et des métiers de bouche de la Chambre des métiers. Foie gras, confiture, bijoux, maroquinerie, vêtements. Plus de 600 produits présentés par 60 artisans de Haute-Vienne y sont proposés en click and collect. La Galerie des Métiers fermera ses portes le 31 décembre 2020, le temps de finir de remplir la hotte du Père Noël.